بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين، وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chapitre 33 Babu ma ja'a fi ta'attur Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Chapitre ta'attur qui veut dire le fait de se parfumer. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu contends parfum, tu peux mettre parfum. Donc, sur façon qu'il y parfumé, ce chapitre-là, il mentionne un hadith qui concerne ça. Alors, avant qu'il nous guette façon qu'il y tu peux parfumer, nous bien comprendre que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est extraordinaire dans lui-même. Ça veut dire sur l'écho Mubarak, lui-même est déjà parfumé naturellement et un parfum qui peine les autres parfums qui pareil comme ça. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, dans sur l'écho Mubarak, avec dans quelque chose qui sur l'écho dégagé, par exemple sur transpiration. Il y a même certains riwayats, mais quand il y a la toilette, ça tu peux gagner parfum. Alors, Imam al-Tirmidhi, rahmatullahi alayhi, mentionne 6 hadiths de ce chapitre-là, mais hadith qui est entré à son application de parfum. Ça veut dire, lui-même, il est déjà parfumé naturellement, mais en plus, les tu peux mettre parfum. Et les tu peux recommander nous mettre parfum. Donc, il y a un hadith qui nous vient, comment il met parfum, comment il fait. Ça, c'est un hadith qui Imam al-Tirmidhi rapporté. Donc, avant ça, nous avons des trois petits riwayats pour montrer qui manière Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui-même les parfumé. Alors, c'est Anas bin Malik radiallahu anhu, lui aussi lui donne description de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Comment nous trouver beaucoup dans le commencement de nos livres? Alors, il y a un moment de cette description. Il dit Wala shamamtu miskan wala ambaran at-tayyaba min raihatin nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a jamais fait sentir aucun misk. Misk, c'est ce qu'on appelle musk, un des plus bons parfums qu'il y a. Pour certains du monde, d'après certaines descriptions, c'est le meilleur parfum qui existait. Et il y a ambar, ambre, comment nous dire, ambre. Ça, c'est un autre quelque chose qui est bien parfumé. Là, nous avons un parfum qui est high class, un meilleur parfum qui est dans la terre. Donc, les gens ne pas senti jamais aucun musk, aucun ambre qui est plus bon, qui parfum de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors Anas radiyallahu anhu li rapporté li même li dire dakhala alayna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qala indana fa araq wa shafa ariq. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin vin kot nou da sou la case, ça veut dire dans la case son maman Umm Sulaym. Li fin vini, li fin dormi et quand li dormi li transpiré. Fa ja'at ummi bi qarura. Alors mon maman vini avec un petit verre ou un petit bouteille, un petit flacon. Faja'alat tasallat al-araq fiha. Alors le fin commence, ramasse sa transpiration, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans sa fiole. Fastayqadha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam faqal. Alors Rasulullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il levé, il dit Ya Umm Sulaym, ma hadha alladhi tasna'in. O Umm Sulaym, qui te peut faire? Qalat li dia hadha araquka. نجعله في طيبنا. Il y a ça ou transpiration, nous mettons ensemble avec nos parfums. وهو من أطيب الطيب. Et ça, les meilleurs de tout bon parfum. Un autre riwayat encore rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam يعرف بريح الطيب إذا أقبل. Quand les types viennent, avant les venir, fini connaît qui fait parce que ce parfum précède lui. Ce parfum fini venir là, manjimon connaît. أن رواية جابر رضي الله عنه رواه لجاء لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمر في طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه سلكه من طيبه. Prophète صلى الله عليه وسلم n'importe quand il passe dans un chemin, un jour on suit lui, il capable, il connaît que ça l'est passé par parfum qu'il a laissé. Alors naturellement, Rasoul صلى الله عليه وسلم donc il laisse un parfum quand il y allait et ben un jour on suit sa parfum là. Vous connaissez quand il était dans une riwayat encore, quand ce madame tu peux redire, elle est là à travers ce parfum, une suive, une trouvée qui est dans Al-Baqi'a.
c'était parmi les mojizat de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, nous avons cette faïda, cette ulama, je te recommande nous qui, pour un monsieur, lui recommander les meilleurs qui lui mettent parfum, jour Juma, jour Eid, quand lui mettent ihram. Nous connaissons quand nous mettons ihram, quand nous sommes dans l'état ihram, ça veut dire l'infini rentre dans l'état ihram, là, il n'y a pas un droit de mettre parfum. On a fait bien sérieux ça. Sinon, les pauvres gens payent d'âme, pas mettre parfum, ou soit pas servir non rien. Par exemple, un dimon lui lave sur la main, il servit une savonnette, ou soit un gel qui n'a pas parfum là-dedans. Là, les pauvres gens payent d'âme, j'ai fait attention. Mais seulement avant qu'il y rentre dans l'état ihram. Hein, par exemple, dimon là, il peut baigner, à ce temps-là, il peut mettre sur ihram, il n'est pas encore rentré dans l'état là. Possiblement, si pas, il y a encore sur la case, soit sur l'hôtel. Alors là, il a un droit de mettre parfum. Au contraire, là, il recommande. Les Rasoul Hassan, tu mets parfum là. Il met pas enfin il parfume lui après ça il rentre dans l'état ihram donc là il pas pour mettre pas enfin encore jusqu'à qu'il y sorti et la recommandation pour mettre lui donc quand il peut aller faire namaz dans jamaa tout soit n'importe quand il est en jamaa quand les naban mahafil mahafil c'est pluriel de mahfil qui veut dire ban programme ban jamaa côté na pour faire zikr côté na Coran côté na leçon côté na l'enseignement قراءه القران avant lire Coran met parfum avant à l'apprendre ou soit à l'enseigner met parfum à l'ilm ou à dhikr avant faire zikr met parfum et les recommander pour un monsieur pour un couple avant qu'ils rentrent dans une bonne relation intime alors les recommander pour monsieur aussi pour madame aussi met parfum et d'ailleurs nous connaît madame dans public les pas pour mettre parfum inshallah il y a un hadith là donc nous pouvons expliquer quand nous avons un hadith. Là. Alors nous avons un hadith pour aujourd'hui, hadith 216. Imam al-Tirmidhi, rahmatullahi alayhi, rapporté, haddathana Muhammad ibn Rafi' wa ghayru wahidin, qalu, et plusieurs dîmons encore, après ça je dis, amba'ana Abu Ahmad al-Zubayri, haddathana Shayban, an Abdullah ibn al-Mukhtar, an Musa ibn Anas ibn Malik, an Abihi, donc, un garçon de Sayyidina Anas bin Malik, radiyallahu anhu, qui appelle Moussa, et rapporte depuis son papa, Sayyidina Anas bin Malik, radiyallahu anhu, قال لجيه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. رسول الله صلى الله عليه وسلم تنا ان سكة يتطيب منها يتطيب لسوتي dans le mot طيب qui veut dire parfum. Donc, les types servent ça pour mettre parfum à l'oli. Donc là, nous trouvons Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, les types appliquent parfum à l'oli. Malgré ce parfum naturel qui est déjà là, les types contents appliquent parfum encore l'oli. Donc, une des bonnes raisons, c'est pour montrer nous, pour faire ça, une sunnat, pour recommander nous mettre parfum, les types contents parfum. Donc, les fortement recommandés pour nous aussi, musulmans, nous parfument nous. Soukkatoun qui veut dire, il y a beaucoup d'explications qui vont nous la main donner. Généralement, nous pouvons dire, c'est un récipient, c'est une boîte, c'est un quelque chose dans lequel nous mettons parfum. Et il y a une particularité là-dedans. Quand nous servons le mot soukka, veut dire nous mélangeons parfum là-dedans. Alors, la parfumerie, ban parfum auprès de ban arabe, c'était une affaire bien développée. Même à Stella aussi, c'était une affaire bien développée. Ban parfum plus cher qui nous a, c'est avec ban arabe. Et nous connaissons ban arabe servit parfum beaucoup. Ban parfum qui est extraordinairement cher. Et là, ban spécialiste là-dedans. Alors, mélange ban différents parfums, une façon que gain ban différents tribes là-dedans. Ça, à l'époque là aussi, donc, ça récipient là, soukka, ban ulama djanou qui là-dedans, et là, itrun murakkab. Ça veut dire un parfum qui est composé de différents parfums. Même jusqu'à aujourd'hui, ou bien ça. Hein, par exemple, on a oud ou l'awad. Un oud qui fait avec plusieurs oud. Oud, c'est un parfum qui sorti dans du bois. Donc, au gain, il y a différents parfums. Donc, ça, ben, nous, l'ama, dit-nous, qui, sous cas-là, c'est un récipient, un quelque chose, dans lequel mélange parfum. Et là, certains encore, ben, les autres descriptions qui nous gagnent, par exemple, dans un dictionnaire, qui c'est un quelque chose qui ferme, met parfum là-dedans, et là, ben, les autres quelque chose encore ajouté là-dedans, les là, les lits des trois jours, mélangés, les là, piquent avec un aiguille. Comme ça, quand piquent là, ça parfum là, sorti là-dedans. Les là, appliquent. Donc, tout ça là, bonne description. Nous, ce qui nous prend là-dedans, c'est qui c'est un quelque chose spécial qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tienna, qu'il t'y garde pour mettre parfum là-dedans. Donc, ça quelque chose spécial là, lui montre nous qui, ça, le fait de se parfumer pour lui, un affaire important, lui garde un quelque chose spécial là-dedans, un parfum mélangé là-dedans.
Et sans doute, c'est quelque chose qui coûtait. Si aujourd'hui, nous avons envie de faire ça, il faut coûter nous un petit peu d'argent. Mais seulement, c'est un argent bien investi. Hein, tout le temps, nous dit ça. Un monsieur musulman, madame aussi, dans sa façon, donc un musulman, il a besoin d'un parfum côté. Il a besoin d'un parfum. Un parfum, ou soit plusieurs qualités de parfum, il a besoin d'un goût là-dedans. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous, il est content de parfum. Il est malheureux pour trouver qu'un musulman n'a jamais le parfum. Et bien souvent, comment dire, dans place qu'il est senti bon, c'est le contraire qui a gagné avec lui. Un musulman n'est pas capable. Hein, nous disons, franc, un musulman n'est pas capable de sentir pire. Un djibou n'est pas capable de venir au masjid, seulement qu'il a costé avec lui, ou gagne le dé. Alors tout ça là, c'est un détail qui finalement, quand on a gagné, c'est un affaire important. Peut-être nous pas pour capable d'arriver au niveau qui certains ont dit arriver dans une parfumerie qui est en arabe. Mais au moins, nous achetons un parfum, nous achetons ce qui est bon, nous parfumons nous. Surtout, premier, tout le temps, je dis ça, première intention, première niyat, c'est pour faire comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour suivre ce sunnah. En même temps, nous trouvons nous-mêmes des affaires très très agréables pour nous-mêmes et pour les autres du monde. Donc après, Inch'Allah, nous continuons dans les autres hadiths. Nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous tawfiq. Applique pas afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'il nous gagne l'habitude, nous, les musulmans, nous parfumer dans toute façon, qu'il fait nous gagner tawfiq, gagner pas afin Mubarak de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, sur les côtes, il peut dégager pas afin dans ce vivant et après ce wafat aussi. Donc, qu'il nous gagne l'occasion gagne sa parfum là qui nous gagne l'occasion gagne parfum de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam yawm al-qiyama et dans jannah. Donc wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.